J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un ask spécial Snapchat, donc j'ai ouvert seulement il y a un jour, genre hier. Mais là, je me suis dit que j'avais trop de snaps et qu'il fallait absolument que je le fasse, sinon je pourrais pas répondre à tout le monde. J'ai ouvert ce snap à l'occasion des 2 ans de ma chaîne, puisque oui, bah le 7 novembre, c'était ça faisait 2 ans que j'étais sur YouTube. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire un ask puisque ça fait longtemps en plus. Je m'excuse d'avance de la longueur de cette vidéo si jamais elle est longue, et je vais essayer de faire un maximum. Et du cadrage, parce que je n'ai toujours pas de retour écran. Voilà, hein, ça fait deux ans que je fais 100. Bah écoutez, c'est parti. Oh non, il y a plein de snaps qui se sont ouverts tout seuls. Sarah me demande ce qui m'a poussée à faire des vidéos. Et je vais t'adore continuer comme ça, merci c'est chou. Ce qui m'a poussée à faire des vidéos. Ben j'avais envie de nouveau et je m'ennuyais tout simplement. Et ben, j'avais découvert YouTube il y a un petit moment quand même. Enfin depuis un petit moment. Et du coup je me suis dit ben, pourquoi pas moi, parce que enfin c'est un peu ce que tout le monde dit mais c'est vrai. Je me suis dit pourquoi pas moi parce que ça réunissait tout ce que j'aimais en fait. Question, t'attendais-tu à avoir autant d'abonnés en créant ta chaîne? Non. Honnêtement pas du tout. Non, déjà quand j'ai atteint 1000 abonnés ça m'a choquée. Et là on est 18 000, bientôt 19 000, c'est abusé, je vous remercierai jamais assez, je vous aime fort fort fort. Et merci pour tous vos messages et enfin vraiment c'est... Non je m'attendais pas du tout à ça. Deuxième question, c'était pour savoir si t'étais en couple. Voilà, gros bisous. Non, je suis pas en couple, voilà. Je voulais te demander, vas-tu faire des vidéos pour conseils pour le brevet blanc, etc. J'adore tes vidéos, continue. Bah merci beaucoup, et ça pourrait être une idée, mais après je suis pas quelqu'un de très bon conseil non plus niveau organisation et tout. Mais je pourrais essayer de faire ça, oui, enfin plus pour le brevet, plutôt que le brevet blanc, parce que moi je sais pas... Perso le brevet blanc j'y suis allée à la one again, genre je comprenais pas ce qui se passait, je croyais que j'avais cours normal. Donc le brevet blanc c'était pas trop un exemple, mais pourquoi pas pour le brevet, je retiens l'idée. Salut Justine, donc j'espère que tu vas bien. Voilà, et je voulais te féliciter pour ta chaîne parce qu'elle est parfaite comme toi quoi, elle est super. J'aimerais aussi savoir si depuis ton entrée au lycée tu es arrivée à gérer facilement YouTube et... ta chaîne YouTube et tes cours, voilà. Voilà, donc gros bisous et bon week-end, voilà, parce qu'on est vendredi, voilà. Merci beaucoup Maëlys, gros bisous à toi. Et avec l'entrée au lycée, c'est vrai que c'est compliqué de gérer YouTube et les cours tout simplement, parce que j'ai un emploi du temps très très chargé, genre pire que chargé, mais bah... Je pense que vous avez remarqué, je suis de moins en moins régulière. Déjà que je n'étais pas trop de base. Mais ouais, c'est très compliqué. J'essaye de poster une vidéo toutes les 2 semaines. Mais voilà, si des semaines vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, bah c'est tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Donc je m'excuse, mais effectivement, oui, c'est très compliqué. Voilà. Salut, tu suis Danse avec les stars. Il y a Marie. Oui, je suis Danse avec les stars, mais je me suis endormie hier soir devant. Honte à moi. Voilà. Mais oui je suis, parce que je soutiens Marie. Voilà, tout simplement. Ok, déjà je voulais m'excuser pour la qualité de merde de cette tablette, puisque bon, j'ai plus de téléphone. Donc je t'envoie Snap pour ton Ask Snapchat. Donc je vais te poser une petite question. Comptes-tu faire des collaborations avec des youtubeurs sur ta chaîne YouTube? Si oui, lesquels? Voilà, donc bisous. Et puis voilà. Bisous. Et puis voilà. Bisous. Et puis voilà. Bisous. Putain. Bisous Rose. Voilà, tu es passée. Collaboration, oui, pourquoi pas, toujours plus. Hein. Il faut que je fasse une collab avec Théa. Il faut que je fasse une collab avec Alexandra de la chaîne Style d'Artiste qui va arriver. Ou alors qui sera déjà postée. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo en fait. Donc voilà. Après, pourquoi pas bah, des collabs avec tout simplement mes amis Alexandre. Laurie, enfin voilà, je vous aime tous, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées. Donc moi je suis toujours ok pour faire des collabs, mais je n'ai jamais d'idées. Donc que ce soit abonnés ou youtubeurs qui veulent faire des collabs avec moi, envoyez-moi vos idées, on verra bien. Voilà. Et Rose aussi, hein, tu peux. Hein.
c'est quoi ta réaction quand tu... c'était quoi ta réaction quand une abonnée t'a reconnue pour la première fois? Alors, déjà, je me souviens plus quand est-ce que c'était. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on me reconnaît, c'est super, super étrange parce que avec mes amis et au lycée ou quoi que ce soit, je suis pas quelqu'un de timide, je m'en fiche. Que je me fasse remarquer, ça me dérange pas. Parce que je me dis que ça plaise ou non, bah je fais ce que je veux. Voilà, je suis là, genre la grande gueule. Mais par contre, je suis quand même une fille timide en ce qui concerne YouTube. C'est-à-dire que quand au lycée on vient me dire hey, tu fais pas de vidéo ou quoi que ce soit, je suis en mode oui, oui, c'est moi, au secours. Et quand. Quand on me reconnaît tout simplement dans la rue, c'est super gênant, mais c'est adorable, j'adore, hein, si vous me voyez, venez me voir, parce que j'aime trop mettre un visage sur, sur vos pseudos et tout ça, mais la première fois, ça m'a énormément choquée, je savais pas que des gens connaissaient mon existence, donc voilà, mais c'est toujours un plaisir, genre, de vous rencontrer, c'est genre, ah, c'est trop bien. Salut, donc... C'était pour savoir quel type de vidéo tu préférais filmer sur ta chaîne. Et sinon, continue comme ça parce que j'adore tes vidéos et tes... Merci beaucoup. C'est trop gentil. Alors, le type de vidéo que j'aime filmer. Déjà, le type de vidéo que je déteste filmer, c'est les Getting Ready. Ça, c'est un truc... C'est affreux à filmer, vous vous rendez pas compte. À monter, ça me dérange pas, mais alors à filmer... Oh, qu'est-ce que c'est chiant. J'adore filmer les playlists parce que j'adore la musique tout simplement. Et d'ailleurs, il faut que j'en fasse une. Wow! Donc voilà, les playlists, j'adore ça. Les vidéos où je vous parle, genre vlog, genre j'aime trop. Ou genre on parle d'un sujet, comme par exemple ma vidéo Parlons à cœur ouvert. Ça, j'aime trop, même si c'est gênant. Et les vidéos que je tourne avec des amis. Ça, c'est les meilleures à filmer, je veux dire, hein, parce que on se tape des grosses barres. Voilà. Voilà. Et vous, quelles sont les vidéos que vous aimez voir sur ma chaîne? Dites-moi tout en commentaire. Coucou Justine, je voulais savoir quel était ton livre préféré et ton magasin préféré. J'adore ta chaîne, continue comme ça. Plein de bisous. Merci, gros bisous à toi. Mon livre préféré, j'aurais tendance à dire After, parce que After, c'est la vie. Mais c'est pas super super bien écrit. Si je reste, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai chialé tout le long, mais j'ai beaucoup aimé. Sinon... Oh là 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 là, tu me prends de court. J'ai adoré le livre de ma mère, d'Albert Cohen, donc After d'Anna Todd. Si je reste de Gail, je sais pas quoi. Oups. C'est ceux qui me viennent à l'esprit. Après, si jamais, en faisant le montage, je me dis « Ah mais oui, c'est lui mon livre préféré !» Je l'écrirai sur l'écran ou en barre d'infos. Et mon magasin préféré, H&M, je trouve beaucoup de choses. Donc voilà, voilà. Ou Primark, mais Primark, il n'y a pas forcément trop de la qualité des fois. Et Brandy Melville, c'est beau, mais c'est cher. Et en plus, tout le monde porte des trucs comme ça. Et j'aime pas avoir les mêmes habits que tout le monde. Même vêtements, pardon. Donc voilà, j'aurais tendance à dire H&M. Salut Justine, je voulais savoir si on t'avait déjà reconnue dans la rue ou enfin quelque chose comme ça et la façon dont t'avais réagi. Et voilà, bisous. Gros bisous à toi, vous êtes trop chou, c'est adorable. Alors oui, on m'a déjà reconnue comme je l'ai déjà dit et les réactions c'est toujours... C'est étrange, c'est étrange. J'ai fait l'ouverture de Primark à Lyon pendant les vacances, je sais plus il y a combien de semaines, mais j'ai croisé une dizaine d'abonnés, et non, j'étais gênée à chaque fois, mais en fait sur le coup, je suis grave gênée, et après je me dis, ah mais non, j'aurais trop dû lui faire des câlins, j'aurais trop dû parler avec elle et tout, mais enfin, je pense que pour vous aussi sur le coup c'est gênant, enfin je sais pas, moi je sais que quand je croise une youtubeuse, c'est gênant d'aller vers elle, enfin bref. Vidéo suivante sont pour ta FAQ, donc ne les ouvre pas avant Justine s'il te plaît. Justine, je te fais cette petite vidéo pour ta FAQ Snapchat parce que voilà, je suis fan de toi, je t'adore, j'aime tout ce que tu fais, tu es juste so perfect. Je pense que je suis ta plus grande fan et franchement j'adorerais passer dans ta vidéo parce que tu vois, c'est trop mon rêve dans la vie, c'est le but. Je suis née pour ça, pour passer dans cette vidéo. J'ai fait des gros bisous. Non franchement Justine, c'est pour te dire bravo, bravo. C'est ton anniversaire, bravo. Les anniversaires, le mieux anniversaire.
Bon, franchement, je suis fière de toi, voilà, mais ça, tu le sais déjà. Je dis bonjour à tes abonnés si elles me voient, mais je pense pas que je vais passer dans la vidéo parce que je suis une merde. Je te fais des gros gros bisous et encore bravo et je t'aime et voilà, tout ce que tu veux, de toute façon tu sais déjà. Et désolée pour mon énorme front, mais en fait c'est la caméra qui fait un front énorme. Donc déjà, tu connais déjà mon front, comment il est grand. Donc avec la caméra il est encore plus grand, donc là j'ai envie de me suicider. Voilà. Non, sinon bravo, 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 bravo. Ça y est, envoyez ces snaps à la mauvaise personne. Génial. Gros bisous. Alors, je te dis encore bravo pour tous les projets que t'as accomplis sur YouTube, c'est vraiment génial, voilà, même si je le dis pas souvent, bravo pour le meet-up, bravo pour tout. Et bon 2 ans, bisous. Si j'avais une tête blasée ou quoi, ou j'essaie d'aller vite parce que j'ai que 10 secondes, enfin bref, voilà, donc tu sais très bien. Voilà, gros bisous. Et j'ai mis plein de snaps. Elle est tarée, je tiens à préciser que c'est ma meilleure amie quand même. Et au début c'était ironique ce qu'elle disait. Donc je tiens à préciser quand même que tu m'as envoyé 80 secondes de snap, mais que t'as posé aucune question. Voilà, la logique de Camille. Bref. Coucou Justine, tout d'abord je voulais te dire que je t'adore et je voulais te demander quelle est ta youtubeuse préférée, américaine ou française. Voilà, gros bisous. Gros bisous à toi. Et merci d'avoir pris le temps de renvoyer ta question parce que ton snap s'était ouvert tout seul. Ma youtubeuse préférée est indéfiniment... ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est My Life as Eva de Bassine American. Voilà, c'est Eva de My Life as Eva. J'adore cette fille. Je suis en amour avec elle. Voilà, je suis en amour avec elle, tout simplement. Mais après, je regarde pas trop d'américaines. Enfin, si, en fait. Je suis indécise comme fille. Je te disais que j'adorais ta vidéo. Est-ce que tu peux faire une vidéo comment retrouver la motivation quand on est triste ou on n'a pas le moral? Je verrai. Parce que... faudrait déjà que je réussisse à le faire sur moi. Hein? C'est voilà. Mais si jamais je trouve des choses, pourquoi pas? Il faut que tu continues YouTube car t'es vraiment quelqu'un de... des spéciales, on t'adore tous et je pense tous tes abonnés t'adorent, donc bisous et reste comme tu es. Merci beaucoup, c'était trop chaud. Ah, c'est excellent, je veux le même. Merci beaucoup. Comment as-tu réussi à bien t'intégrer dans le monde de YouTube? Je sais pas. Je sais même pas si je suis intégrée dans le monde de YouTube, enfin je sais pas ce que ça veut dire trop. J'ai tout simplement... je suis tout simplement restée moi-même en fait, c'est-à-dire que j'ai continué à regarder des vidéos, j'ai continué à poster des commentaires sous les vidéos des gens, ça m'a permis de faire des rencontres d'ailleurs, hein, Laurie, si tu passes par là. Et voilà, le secret c'est de rester soi-même, de faire un contenu qui vous plaise, enfin voilà, d'avoir un contenu que vous aimez, et je sais pas, ne vous forcez pas à faire les choses tout simplement. Es-tu amoureuse ou en couple? Suis-je vraiment obligée de répondre à cette question? Encore. Salut Justine, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je vais participer à ta FAQ, mais avant ça je voulais te dire un petit mot. C'était pour dire que tes vidéos elles étaient trop bien et que toi t'étais trop trop jolie. Alors les questions c'était, est-ce que tu vas faire un meet-up vers Saint-Etienne ou aux alentours? Et la suite je te le dis dans le prochain snap, sinon ça va pas rentrer. Si on te propose 1000 euros à dépenser dans les 3 marques que je vais te dire, laquelle tu vas choisir en premier? Alors c'est MAC, après il y a Benefit et après il y a Urban Decay. Wow. Alors un meet-up, je fais déjà un meet-up à Lyon, mon premier meet-up qui est dans quelques jours, je stresse, je peux pas vous dire à quel point, Saint-Etienne c'est... Enfin, genre j'habite à Lyon donc peut-être qu'un jour j'irai à Saint-Etienne, on sait pas. Et les 1000 euros je pense que je les dépenserai chez Benefit parce qu'il y a plus de choses qui me plaisent, voilà. Justine, bravo pour ta chaîne, c'est vraiment super. N'arrête surtout pas les vidéos, j'adore vraiment, t'es à mourir de rire. Sinon, je voulais savoir si t'avais des nouveaux projets pour YouTube et des meet-up. Savoir quel métier tu voulais faire plus tard et quelle section en première l'année prochaine. Voilà, je te fais plein 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 de bisous. Ok, donc j'ai reçu un message en plein milieu qui m'a perturbée. Alors merci. Section ES. Projet YouTube. Non, pas spécialement. Et métier, je ne sais pas, je dirais peut-être directrice de publicité. Voilà, soyons fous. Veuillez m'excuser si la luminosité et ma tête par la même occasion a changé, mais c'est parce que, comme je vous l'avais dit, il y a plein de snaps qui sont ouverts tout seuls. Et du coup, là, on est ce soir et vous m'en avez renvoyé. Donc, je vais les ouvrir. Team chocolatine ou team pain et chocolat?
Voilà, moi aussi chocolatine. Sud-Ouest en force. Bah je sais pas, c'est la même chose, une chocolatine et un pain au chocolat ou pas? Parce que je sais pas, mais moi perso je mange des pains au chocolat. Parce que je sais pas ce que c'est une chocolatine. Voilà. On t'aime Justine. C'est trop mignon. Continue tes vidéos, t'es trop bien. Merci. Oh, c'est trop chou. Justine, continue comme ça, t'es la meilleure, t'es super gentille, super belle et j'espère que ta carrière YouTube continuera. Hop, tu es pas venue à la vidéo City, sinon... Merci, c'est trop chou. Je crois que ta question c'est pourquoi tu es pas venue à la vidéo City. Bah parce que ça ne m'intéressait pas et parce que je suis à Lyon, j'avais pas envie de payer le train en plus, enfin... Bref, voilà. Voilà tout le monde, ce ask est terminé, je suis désolée, il y a plein de personnes à qui j'ai pas pu répondre. Mais les snaps se sont ouverts tout seuls et voilà, je suis vraiment vraiment désolée. N'hésitez pas à me les renvoyer et je vous répondrai bah, personnellement. Je vous remercie de m'avoir soutenue pendant ces 2 ans et j'espère que vous me soutiendrez encore. Parce que bah, sans vous, bah, je serais pas là, donc c'est un peu comme si c'était votre chaîne à vous aussi. Donc joyeux anniversaire à vous aussi, vous avez 2 ans, voilà. Je vous fais de très très gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bye.